Bonjour Nathalie, Nathalie Potignon, tu es l'ex-compagne de Saïd Bourarache. Tout à fait. Je voudrais savoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. D'accord, ben aujourd'hui j'ai à vous dire que j'ai repris un travail au niveau de la mairie qui a débuté au mois de septembre dans les cantines scolaires. Oui. J'ai eu ce travail grâce à l'aide du maire de Dijon qui m'a aidé dans cette démarche-là. Et ainsi notre démarche d'avoir retrouvé un autre logement dont je bénéficierai du logement à partir du 18 septembre. Un logement qui est moins coûteux pour moi et qui rentre plus dans mes données actuelles en fait. D'accord. En ce qui concerne la procédure. En ce qui concerne la procédure, donc elle suit son cours, on est en pleine instruction. Oui. Donc à l'heure actuelle, j'ai un nouvel avocat, donc je ne divulguerai pas le nom parce que je suis interdit de le divulguer parce que l'affaire est en cours. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance et que l'avocat que j'ai à l'heure actuelle est très compétent. Il te convient par rapport au type de problème que tu... Ouais, c'est voilà, c'est l'avocat qu'il me fallait, on va dire. D'accord. En gros, c'est l'avocat qu'il me fallait pour défendre cette affaire. Et que tu cherchais dans le courant de l'été, quand on s'était rencontrés. Voilà, j'étais en recherche et je l'ai trouvé. Très bien. À l'heure actuelle, mais c'est un très bon avocat. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça je suis désolée... C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les gens me demandent beaucoup où s'en est la procédure. Vu que justement qu'on est en procédure et que l'affaire est en cours, on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que l'affaire avance. Très bien. J'ai entendu dire qu'il y avait un collectif de soutien ici. Tu peux m'en parler de ce collectif qui, oui. Qui est un collectif dijonnais, qui s'était mis en place. C'est lui qui avait organisé, par exemple, la manifestation qui avait eu lieu à Dijon. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai repris contact, justement, aujourd'hui avec le collectif Justice, qui est à Dijon, qui est situé à la MJC des Grésilles. Oui. J'ai repris contact. Il y aura certainement une réunion qui se prépare pour la semaine prochaine pour remettre tout à niveau, reprendre l'affaire, reprendre le nouveau. Et en fait, ils m'aident pour mon combat et pour tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, ça englobe aussi le côté financier qui joue par rapport aux frais que tu rencontres tant pour ton avocat que les allées venues que tu es amené à faire. Exactement, vu que l'affaire se passe sur Paris, il y a beaucoup d'allées venues que je suis obligée de faire. Qui sont à tes frais, donc qui actuellement. Qui sont à mes frais personnels et qu'à l'heure actuelle, je vis qu'avec toujours qu'un salaire, que je n'ai pas touché d'argent d'autres de sécurité sociale ou d'aide aux victimes. C'est en cours, mais pour l'instant, je n'ai rien touché. Oui. Ni moi ni mes enfants, donc je vis avec un salaire. Et ça devient de plus en plus difficile de, on va dire, boucler les fins de mois parce qu'il faut que je me permette d'élever mes enfants, donc à titre seul, donc parce que je suis toute seule à le faire et que ça devient de plus en plus difficile. C'est oui. Un combat aussi de la vie de tous les jours. Parce qu'il ne s'agit pas simplement du simple combat du parcours d'une femme seule qui a fait le choix de vivre seule avec ses enfants. Toi, c'est quand même venu... dans des conditions que tout le monde a pu partager. C'est tout à fait. Ben, en fait, on a brisé notre vie. On a brisé notre déroulement de notre vie. Et je ne dis pas qu'on vivait super au moyen, mais on vivait bien. Correctement. Correctement et avec les besoins que ça engendre pour les enfants. Mais là, moi, j'ai des difficultés pour mener les deux bouts. Tout à fait logique. Voilà, donc j'essaie de m'efforcer à travailler le plus, mais le travail, ce qui dit travailler plus, c'est ce qui dit garde d'enfants. Donc il faut pouvoir faire garder ses enfants, c'est tout un système. Alors aujourd'hui, c'est mes combats, c'était le travail, à l'heure actuelle, je déménage. Donc il y a le déménagement, le travail, les enfants et surtout le combat de ça aussi. Nathalie, sur les actions qui sont envisagées ici, du fait du collectif,
par rapport à tes frais de procédure, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, à l'heure actuelle, on envisage, avec le collectif et d'autres amis, des mises en vente de t-shirts avec la photo de Saïd et son fils. Il y a un projet aussi de badge qui a été fait au nom de N'oublions pas Saïd, pour me permettre de vivre mieux et de financer toutes les actions de justice et les allers-retours que je suis obligée de faire à l'heure actuelle. Dans l'environnement que tu as de la vie de tous les jours ici, depuis que tu es rentrée sur Dijon, depuis que tu es revenue ici, comment ça s'est passé? Tu as pu renouer des liens un petit peu? Tu es venue dans des conditions difficiles? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai renoué des liens, oui, effectivement. C'est vrai que je me suis fait aussi d'autres nouveaux amis qui compatissent à ma douleur et à ce que je vis actuellement. La chose que je vis actuellement, je le dis à tout le monde, je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Je ne le souhaiterais pas parce que c'est une chose atroce et ce que je tiens aussi à dire, c'est que je suis là, je suis debout encore. Je vous avoue que je suis fatiguée, ça c'est vrai. Mais je ne lâcherai pas mon combat jusqu'au bout, mais je suis fatiguée, ça c'est vrai, c'est un fait, j'ai tout à assumer et ça devient très lourd. Ça devient très lourd et c'est une énorme responsabilité, de plus que j'ai, de celle que j'ai actuellement en fait. Bien sûr. Tu voulais me parler, tu es partie il y a quelque temps à Paris, c'était par rapport à une émission de télé. Voilà, tout à fait. Bah, donc, je débatte de ce sujet. J'ai été contactée il y a à peu près, on va dire, 2 semaines et demie par France 2. Donc, l'émission s'intitule « Toute une histoire » par Monsieur Jean-Luc Delarue. Donc, j'ai été enregistrée cette émission sur les violences gratuites, donc ce qui concerne le cas de mon compagnon Saïd Bourarach. Ce qu'il a vécu, c'est de la violence gratuite, donc c'était un thème qui a été choisi et idéal pour mon affaire. Donc j'ai bien été reçue, ils m'ont bien accueillie et l'émission s'est très bien passée, d'autant plus qu'ils ont été très corrects dans les questions, sans pour rentrer dans le vif du sujet et de la procédure qui est actuellement, qui est interdit d'en parler, donc ils ont tout respecté. Ils ont respecté la confidentialité de toute l'affaire qui est actuellement en cours. Et ce que je souhaiterais dire, c'est ce vrai qu'on a vu avec notre avocat, au moment qui sera anodin, donc je pense pas très loin du procès, le procès, il faut dire qu'il y en aura au moins pour minimum un an et demi encore. Oui. Et qu'à ce moment-là, l'affaire sera médiatique. D'accord. À ce moment-là, à la fin de... Au moment du procès, ça sera médiatisé pour pas que... C'est pas le fait que je veux que ça soit médiatique, mais c'est pour pas qu'on oublie. Et pour arrêter de la violence telle que ça. C'est un homme qui faisait son travail, qui essayait de nourrir sa famille, que... Voilà, un citoyen honnête et normal, comme tout le monde. Et il a été tué injustement, donc voilà, la justice doit être faite et puis très éclaircie sur cette affaire, où il y a beaucoup d'ombre. Je te remercie, Nathalie. Voilà. À bientôt pour un prochain rendez-vous, peut-être. Eh bien, il n'y a pas de problème. Au revoir.